Bonjour, ceci n'est pas le début de la conférence, mais on nous demande de faire déjà évacuer la salle. Non, il s'agirait en fait de que vous ressortiez juste pour émarger, s'il vous plaît. La sieste viendra plus tard. Merci.
Bonjour. Afin de ne pas prendre trop de retard, merci de bien vouloir prendre place. Pour cette première table ronde, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors en train, en voiture et certains à vélo que je reconnais qui viennent d'arriver ce matin. Merci aux congressistes venus nombreux à cette table ronde dont le sujet est une des déclinaisons du thème retenu par l'ABF cette année. Nous sommes en effet ensemble jusqu'à 16h pour échanger autour de la question des bibliothèques comme outil de la rénovation urbaine. Pour cette table ronde, nous avons la chance d'accueillir trois intervenants hautement qualifiés pour la question. Nous avons d'abord Gaëtan Perrault à ma gauche, Mario Di Liliano et Luigi Faglia. Tout d'abord, Gaëtan Perrault, vous êtes responsable de la lecture publique dans le réseau des médiathèques de Champigny-sur-Marne, réseau de trois établissements qui mènent aujourd'hui un double projet, mais peut-être surtout le projet d'ouverture d'un équipement de 1400 m² dans les Hauts-de-Champigny, dans un périmètre donc très concerné par la rénovation urbaine. Donc c'est une forte articulation entre ce projet d'équipement culturel dont l'ouverture est prévue, je crois, pour 2020, aux environs fin 2020, et le territoire de Champigny dans lequel il s'inscrit. Précisons que Champigny-sur-Marne se trouve dans la petite couronne parisienne au sud-est de Paris, dans le Val-de-Marne. Donc c'est cette articulation entre ce territoire et un projet nouveau que vous allez présenter dans un instant. Marie-Odile Iliano, vous êtes adjointe à la directrice du grand équipement documentaire du campus Condorcet. Le campus Condorcet est un vaste ensemble consacré à l'enseignement et à la recherche en sciences humaines et sociales. Un Harvard français, ai-je entendu dans la bouche d'une élue lors de la pose de la première pierre en avril dernier. Ce campus est situé dans le nord de Paris, entre la porte de la Chapelle et Aubervilliers, sur des territoires pour lesquels, évidemment, les questions de la rénovation urbaine se posent tout particulièrement. Le campus regroupe des centres de recherche, des universités, des établissements d'enseignement très largement conçus autour des sciences humaines et sociales. Et par son ambition et l'ampleur des réalisations à venir, il aura nécessairement un impact majeur sur le tissu urbain de la zone. Et la perspective du grand équipement documentaire que vous dirigez va nous éclairer sur toutes ces dimensions. Enfin, Luigi Faglia, vous êtes architecte, auteur d'une thèse remarquée sur la bibliothèque comme espace public urbain, recherche dans laquelle vous montriez comment les bibliothèques deviennent peu à peu et dans de nombreux pays, je vous cite, des centres civiques culturels subvenant aux besoins d'espaces publics où peuvent s'accomplir des activités collectives. Votre thèse a été publiée en 2017. Vous enseignez par ailleurs à l'école d'architecture de Palerme et à celle de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Votre regard qui porte très loin nous permettra de sortir peut-être du cadre francilien, nous nous en excusons, pour prendre appui sur des exemples étrangers. Alors pour commencer sans tarder, je voudrais juste situer brièvement le cadre dans lequel se situe la discussion du jour. Très brièvement, je vous le promets. Donc si l'on entend généralement par rénovation urbaine l'ensemble des dispositifs d'intervention publique ayant pour objectif d'améliorer un cadre bâti dégradé ou un tissu urbain plein de discontinuités subies, alors on comprend mieux pourquoi la question se pose aussi du point de vue des bibliothèques. Au-delà de leur rôle de point d'accès et de diffusion de la culture sous toutes ses formes, elles sont aussi, et peut-être de plus en plus, un moyen de raccommoder les périphéries, comme le disait Renzo Piano. Elles sont des propositions de services dont on attend aussi qu'ils prennent une place importante comme outil d'intervention socio-économique dans des zones urbaines et périurbaines. Depuis 2003 en France, le programme national de rénovation urbaine, qui doit s'achever en 2020, mais qui sera renouvelé dans une ambition un peu plus modeste par la suite. Donc ce programme national a été qualifié parfois de plus grand chantier du siècle, jusqu'alors 47 milliards d'investissements dépensés, 600 quartiers concernés et 4 millions d'habitants touchés. Il a porté donc à la fois sur la diversification de l'offre de logement, mais aussi, et c'est l'aspect peut-être qui nous intéresse le plus ici, une transformation morphologique des quartiers eux-mêmes, en restructurant l'espace public de la rue, des places et des équipements publics dont les bibliothèques sont évidemment partie prenante. De quelle manière les bibliothèques contribuent-elles à cette rénovation ? La
contribution de la bibliothèque se fait-elle finalement à l'insu de son plein gré ? Petit clin d'œil pour les cyclistes présents. À l'insu de son plein gré, donc, par les usages qui se développent en son sein et autour d'elle. De quelle façon multiple les projets de nos établissements peuvent au contraire accompagner, voire susciter, cette restructuration d'un tissu urbain abîmé par les conjonctures difficiles traversées par ces 30 dernières années ? Donc c'est autour de ces questions que nous allons naviguer pendant la table ronde. Et avant de donner la parole à Gaëtan Perrault tout de suite, juste vous dire que donc après les trois présentations qui vous seront faites, nous pourrons, si jamais l'espace très confortable permet néanmoins un éveil de la salle, nous ferons circuler des micros pour que des questions rapidement viennent vers nous. À vous, Gaëtan Perrault. Alors, moi, je vais vous parler donc de Champigny-sur-Marne, qui est une ville de l'Est parisien, de l'Est de l'Île-de-France, très exactement, qui est située donc dans le Val-de-Marne. Et bien évidemment, quand on pense Marne, on pense Guinguette des bords de Marne. Alors oui, effectivement, c'est un patrimoine de cette ville. Donc c'est la joie, c'est l'orchestre Musette, mais c'est un patrimoine qui est toujours vivant aujourd'hui. D'abord parce que le succès des guinguettes ne démord absolument pas, ça c'est le Parisien qui le dit, mais aussi parce que c'est la possibilité de mettre en avant un patrimoine naturel et de proposer des manifestations populaires qui peut-être font un petit peu d'ombre à Paris-Plage chaque année. Ce n'est pas le seul patrimoine de Champigny-sur-Marne qui a également un patrimoine moyenâgeux, puisqu'à Champigny, il y avait deux seigneuries pendant le Moyen-Âge, celle de Queuilly, village parisien, qui a conservé d'ailleurs de très beaux monuments, et une au centre-ville. Et donc chaque année, la ville met en avant ce passé moyenâgeux avec la foire au troc et au cochon, sur laquelle donc se promène sur la place entre les vendeurs de fouf et autres des cochons. Voilà, donc ça fait partie du patrimoine de Champigny, qui s'est aussi beaucoup mis en avant pendant un certain nombre de guerres, et notamment la bataille de Champigny de 1870. Mais c'est la Seconde Guerre mondiale qui a surtout marqué la ville. Il existe sur le territoire campinois un musée de la résistance nationale qui pour l'instant est ouvert uniquement aux chercheurs et qui a pris place dans une demeure traditionnelle de la Marne. Vous voyez ici la pierre de Marne, qui est donc la spécialité du coin. Mais ce musée va s'ouvrir au grand public, puisque l'année prochaine, il prendra place, enfin, du moins, une halle d'exposition sera créée dans un bâtiment cédé par le conseil départemental, qui auparavant proposait le centre de documentation pédagogique. L'après-guerre a amené sur le territoire campinois une grande vague d'immigration, notamment portugaise, des Portugais qui fuyaient la dictature du général Salazar, et il n'y avait aucune structure pour les accueillir. Donc est né le bidonville portugais de Champigny, qui n'avait strictement rien à envier de celui de Nanterre. Et pour loger ces populations, mais aussi pour loger les populations qui sont venues d'Algérie, sont nés les grands ensembles. Et donc, c'est ce bidonville portugais qui a dessiné la géographie de Champigny d'aujourd'hui. Donc Champigny, c'est un territoire assez vaste. Ça fait 30 000 mètres carrés, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est quand même pas mal. C'est divisé en énormément de quartiers. Vous avez un bas de Champigny qui va du plateau jusqu'à Polangis et un haut de Champigny qui réunit Queuilly, notre cœur moyenâgeux dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi les Mordac et le Bois-l'Abbé. Le Bois-l'Abbé est en fait le plus grand quartier, ça se voit pas du tout sur la carte, mais c'est parce que le Bois-l'Abbé est un quartier qui est également sur le territoire de Chennevières, et là on a représenté que la partie campinoise. Alors qui sont les Campinois ? Eh bien, ils sont 77 006 habitants et c'est une population extrêmement jeune, 21,5% de la population a moins de 14 ans. Pour ce qui est de l'indicateur des diplômes, c'est une population assez fracturée, puisque presque 35% de la population n'a pas de diplôme, là où aujourd'hui 50% des 18-24 ans vont faire des études.
Au niveau de l'emploi, il n'y a rien de très important à relever, sauf que 11,9% des personnes en situation de travail sont des ouvriers, ce qui est une représentation un petit peu plus importante que la moyenne nationale. Et par contre, pour le chômage, nous sommes au-dessus de 5% par rapport aux moyennes des grandes villes françaises. Alors, avec une population jeune, pas très diplômée et un peu plus de chômage, forcément, les ressources des Campinois ne sont pas mirobolantes. 21% de la population active de 15 ans et plus est considérée comme pauvre. Et du coup, Champigny, qui pourrait avoir une attractivité grâce à son patrimoine historique et naturel, se retrouve être une ville assez peu attractive. De toute façon, elle ne mise pas du tout sur son tourisme, puisqu'il n'y a que 2 hôtels. Voilà, 96 chambres. Il y a un camping quand même, mais malheureusement, en Ile-de-France, il ne fait pas un temps formidable. Il y a 4077 entreprises. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais il faut pondérer ce chiffre, puisqu'il s'agit ici essentiellement de micro-entreprises ou d'auto-entrepreneuriat. Donc, ça ne représente pas du tout un bassin d'emploi pour la ville. Et en plus, ce sont des entreprises qui sont peu stables. Donc, ce chiffre date de 2016, et je pense qu'aujourd'hui, en 2018, ce ne serait pas du tout le même. Pourtant, c'est une ville où on s'installe et où on reste, puisque plus de la moitié de la population est installée à Champigny depuis plus de 10 ans. Alors, est-ce que les Campinois ont raison de rester ? A priori, oui, puisque Champigny est en train de changer de visage, et cela grâce au Grand Paris, et plus précisément au Grand Paris Express. Donc, le Grand Paris Express, c'est un réseau de transport qui a pour vocation de relier les villes de banlieue entre elles sans passer par Paris. Voilà, pour éviter de faire d'énormes détours. Et Champigny va accueillir la première ligne de métro du Grand Paris Express, la ligne 15 Sud Rouge. Donc elle va accueillir 2 stations de métro, mais aussi le centre de remisage des trains. Donc on vit au rythme du Grand Paris, on fait la fête dès que le tunnel y arrive, on fait la fête dès que le premier kilomètre arrive. J'imagine que ce sera la méga fête au troisième kilomètre. On fait aussi la fête parce que à Champigny, il y a toujours eu des problèmes de transport. Donc, vous voyez ici une photo qui vous indique la nouvelle gare qui, en fait, était déjà bien dépassée avant l'heure. Et il y a une blague campinoise qui dit que non, le prochain métro n'est pas dans 2 minutes, mais dans 25 ans. Alors, ce métro, on lui fait la fête aussi au niveau de la municipalité parce que c'est la possibilité de développer le territoire, mais aussi de faire des grands projets urbains. Et c'est là que l'on va faire le parallèle avec la rénovation urbaine, parce que Champigny va vraiment changer de visage et veut proposer une nouvelle manière d'habiter la ville. Alors, qu'est-ce que viennent faire les bibliothèques là-dedans ? Alors, le réseau de bibliothèques, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, c'est un réseau de 3 établissements. Un établissement qui est situé dans le centre-ville, ici, qui s'appelle la bibliothèque Jean-Jacques Rousseau, qui a pour mission de desservir tous les quartiers du plateau jusqu'à Poulangy, donc une zone de desserte à peu près énorme. Et puis vous avez 2 établissements, un établissement qui se trouve ici entre les Mordac et Queilly. Donc Mordac est un quartier zone urbaine sensible et Queilly est une zone pavillonnaire avec un patrimoine moyenâgeux. Et vous avez l'établissement André Malraux qui se trouve sur le Bois-l'Abbé, zone urbaine sensible également. Et ces 2 établissements, qui sont séparés de seulement 800 mètres à vol d'oiseau, doivent desservir le haut de Champigny. Alors, pour comprendre ce que la bibliothèque a à voir dans la rénovation urbaine et ce que la rénovation urbaine a à voir avec les médiathèques, on va faire un petit zoom entre 2010 et aujourd'hui, enfin, et 2023. Sauf que je ne peux pas vous parler du futur. Alors, en 2010, la ville de Champigny décide de lancer un PSPC, un projet de service public communal. Ce PSPC va permettre de réunir tous les services entre eux, d'abord pour se connaître et échanger un peu, mais aussi pour faire un état des lieux des services et lancer des perspectives pour améliorer le service public rendu. À cette époque, la personne qui m'a précédée sur le poste décide de faire quelque chose de formidable qui consiste à demander aux équipes des 3 établissements de travailler ensemble. Parce qu'à l'époque, on ne faisait pas ça.
Donc, ils travaillent ensemble et ils font des groupes de travail thématiques, toutes catégories d'agents confondues. Et ça donne quelque chose de formidable, ça donne le pré-projet de service des médiathèques qui est signé par l'élu en 2011. L'histoire se poursuit en 2012. Depuis 2007, tous les Campinois ont appris à reconnaître ce sigle, celui de l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et ils ont très envie de voir ce que ça donne, et ils voient ce que ça donne en 2012 au Bois-l'Abbé. Alors là, en 2012 au Bois-l'Abbé, on a rénové. On a pris le mot « rénovation » pour ce qu'il est, on a pris le vieux, on en a fait du neuf. Voilà, donc du coup, il y a des nouveaux immeubles et des vieux immeubles. On s'est dit quand même qu'on allait ouvrir un service public, donc on crée la maison pour tous, on le met dans la place Rodin, qui est entourée de barres d'immeubles, on ne le voit plus sur cette photo. Donc c'est une place extrêmement enclavée, et quand vous arrivez dans le quartier du Bois-l'Abbé, vous arrivez à peu près là, vous êtes obligé de pencher la tête pour voir la maison pour tous. Ce qui fait de cette maison pour tous, la maison pour tous les habitants du Bois-l'Abbé, à la rigueur, mais certainement pas la maison pour tous les Campinois. Alors là, peut-être que la ville, à un moment donné, s'est dit qu'elle s'était un peu trompée. Donc, elle laisse passer un petit peu de temps. Et en 2014, c'est un moment de changement de paradigme. Une nouvelle chef de service arrive, moi, en l'occurrence, et je me dis, écoutez, on a quand même un pré-projet de service à mettre en place qui mettait en avant que les bibliothèques étaient soit sur des zones de desserte beaucoup trop grandes, soit trop peu espacées, qu'elles sont inaccessibles, aussi bien d'un point de vue de l'architecture, mais aussi des services et des collections, qu'elles sont inadéquates et illisibles. Donc il va falloir qu'on change quelque chose. Et on va commencer par changer quelque chose dans notre organisation interne. C'est là que démarrent des discussions autour d'un nouvel organigramme et des nouvelles fiches de poste basées sur le collaboratif, entre nous d'abord, la transversalité, le décloisonnement et surtout une mise en réseau. En 2014, c'est aussi l'année où on découvre une autre phase de rénovation urbaine, celle des Mordacs. Donc les Mordacs, pour rappel, c'est un établissement qui se situe entre Queilly, une zone pavillonnaire, et les Mordacs, zone urbaine sensible. Et là, on se rend compte que la municipalité aussi a envie de changer un peu les choses, les manières de faire. Et aux Mordacs, on ne parle pas de rénovation urbaine, mais de renouvellement urbain. Donc, on ouvre un service public, encore une fois une maison pour tous, mais elle ne s'appelle pas la maison pour tous des Mordacs, elle s'appelle la maison pour tous Youri Gagarine, et son travail, c'est justement d'ouvrir le quartier, et notamment de réaliser des actions qui va permettre un peu de cohésion entre les publics de Queilly, zone pavillonnaire, et les publics de la zone urbaine sensible des Mordacs. Donc, ouverture. Ensuite, on se dit que ce serait bien de mettre un peu de beau, un peu de geste architectural. Donc on commande à l'agence Epicuria Architecture le gymnase Jess Howell et le bailleur social Paris Habitat décide de faire ce qui est une exclusivité française à l'époque, c'est-à-dire mettre des pavillons d'accession à la propriété sur des barres d'immeubles. Alors oui, on peut en penser ce qu'on veut d'un point de vue purement esthétique, mais en tout cas, ça a complètement redessiné le quartier de Queilly et des Mordacs. C'est situé en entrée de quartier et ça met un petit peu de mixité sociale dans ce quartier. Et la bibliothèque qui se situe toujours aujourd'hui dans la zone entre les Mordacs et Queilly, a pu elle aussi avoir accès à différents types de populations et jouer son rôle de cohésion et de mixité sociale. En 2015, commence à arriver l'idée qu'il serait bien de construire un nouvel établissement à Champigny, un nouvel établissement de lecture publique. On avait commencé à nous le souffler à l'oreille en 2014, et en 2015, on nous dit « bah voilà, on a trouvé un terrain ». Ce terrain, vous ne pouvez pas le voir parce qu'en fait, en ce moment, c'est une barre d'immeubles. Mais nous allons le démolir
et vous allez pouvoir créer une bibliothèque. On entre donc en phase de pré-programme avec un cabinet de programmistes qui s'appelle le cabinet Menighetti. Et tout de suite, on se dit, ah, on va retirer cette barre d'immeuble, très bien. Notre bibliothèque sera donc la nouvelle entrée de quartier du Bois-l'Abbé. Le projet scientifique s'écrit très rapidement, mais alors le montage financier met un temps absolument fou à se faire. Pourquoi ? Parce que la ville, qui entre immédiatement l'établissement dans la deuxième phase de rénovation urbaine du Bois-l'Abbé, ne jure que par des financements de l'ANRU. Sauf que l'ANRU limite ses financements à 20%. Là où le concours particulier, si vous faites un beau projet et si vous êtes dans une zone urbaine sensible, peut monter jusqu'à 45%. Donc, avec l'équipe de la direction des politiques culturelles, nous allons mettre 2 ans à convaincre nos élus de passer par le concours particulier, tout en œuvrant tout de même par le projet à la rénovation urbaine. C'est un petit peu complexe. Nous en arrivons en 2016. 2016 est une période de choc pour la plupart des collectivités, parce que 2016, c'est la réforme territoriale et l'arrivée des territoires. Champigny est aujourd'hui dans le T10, Paris-Est, Marne et Bois. Elle a pour voisin de territoire, non pas Chennevières, l'autre partie du Bois-l'Abbé, donc ça c'est un découpage peut-être un peu aléatoire. Non, elle a pour voisin Nogent, Vincennes, Joinville-le-Pont. Champigny est la plus grande ville du territoire. Elle doit accueillir le siège du territoire. C'est comme ça, c'est mathématique. Vous êtes la plus grande ville, vous avez le siège. Mais en fait, Champigny n'a pas le siège du territoire. Le siège du territoire, c'est Joinville. Parce que Champigny se retrouve véritablement isolée de par ses indicateurs socio-économiques. Joinville, Vincennes sont beaucoup plus dynamiques que la ville de Champigny, mais aussi par ses positions politiques. Là où Champigny est communiste, les autres villes, toutes, sont placées plutôt à droite. Alors, 2016, c'est aussi une année d'acceptation des plans locaux d'urbanisme. Et le territoire qui s'est dit, bon, avant, c'était quand même de la compétence des communes. Maintenant, c'est de notre compétence, on ne va pas trop les enquiquiner. Eh bien, il a décidé, ce territoire, de faire une toute petite exception pour Champigny. Le plan local d'urbanisme de Champigny est rejeté parce qu'il comporte trop de logements sociaux, pas assez de commerces, pas assez d'entreprises et surtout pas vraiment de services publics. Donc, la fête de la transition confinoise étant passée par là, Champigny décide de revoir sa copie et d'écrire un plan local d'urbanisme participatif. Elle contacte l'agence Leclerc, qui, en 2017, va livrer un document qui s'appelle « Faire centre », suite à des ateliers participatifs avec les habitants. Et dans ce document, on se rend compte que ce que les habitants veulent, c'est rendre le centre-ville à la Marne, c'est avoir des places sur lesquelles on peut se rejoindre, être ensemble et discuter, et c'est avoir des équipements de commerce, de loisirs et de culture de qualité. Il y a donc une frise d'action qui commence à la toute fin de 2016, puisque les ateliers participatifs ont été inclus dans la frise, et qui va se poursuivre jusqu'en 2023. Et en 2017, on voit les premiers résultats de ces ateliers collaboratifs et la nouvelle préfiguration du centre-ville. Et bien évidemment, nos riverains ont pensé à la lecture publique, puisque ce qu'ils réclament, c'est une médiathèque en centre-ville, qui va être un vrai outil pour proposer une offre culturelle et de loisirs en centre-ville. On en est aujourd'hui à l'étude des besoins, c'est pour ça qu'on en parle assez peu dans cette conférence. 2017 est aussi une année où on attaque la troisième tranche de rénovation urbaine du Bois-l'Abbé, le fameux NPRU 1 et NPRU 2, les nouveaux projets de rénovation urbaine, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Et si ce que l'on voit dans le magazine de la ville est toujours le vocabulaire d'un quartier qu'il faut défendre, contre on ne sait plus trop quoi, mais qu'il faut défendre quand même, on se rend compte que ce projet de rénovation urbaine, il fait la part belle à l'ouverture du quartier.
Et c'est essentiellement deux choses. La première, une grande enquête sur les déplacements au sein du quartier qui vont montrer cette volonté d'ouverture. C'est une association qui s'appelle Couleurs d'Avenir qui a été missionnée par la ville et par les bailleurs sociaux qui est en charge de cette enquête, dont les résultats ont été publiés il y a 3 semaines maintenant, qui va montrer l'envie des habitants non seulement de se déplacer en toute sécurité dans leur quartier, mais aussi de pouvoir en sortir pour avoir une vie en dehors du quartier et ne pas rester enclavé. Mais en 2018, c'est aussi le moment où la médiathèque, dont on a parlé en 2015, rend son projet, est subventionné par la DRAC et lance son premier concours d'architecture. Et dans le projet qui est voté par la municipalité, non seulement la bibliothèque et la nouvelle entrée de quartier du Bois-l'Abbé, mais elle lui tourne le dos. Ici, c'est le Bois-l'Abbé. Et cette bibliothèque, elle ouvre le quartier du Bois-l'Abbé à Cueilly et au Mordac, dans un souci de cohésion sociale et dans un souci véritablement de mixité et d'ouverture. Donc oui, bien évidemment que la bibliothèque est un outil de rénovation urbaine. Dans le cas particulier de cette bibliothèque qui s'appelle désormais Eau de Champigny, là où elle vend en 2015, elle s'appelait Bibliothèque du Bois-l'Abbé. Dans cette bibliothèque Eau de Champigny, qui est basée sur les valeurs de, certes de mixité sociale, mais surtout d'ouverture aux différences culturelles, d'ouverture aux nouveaux usages et à tous les usages quels qu'ils soient, dans un souci d'adaptabilité et dans un souci d'accessibilité, dans cette bibliothèque Eau de Champigny qui est préfigurée par une équipe qui, même si ce n'est pas facile tous les jours et pas sans heures, travaille de manière collaborative, d'abord entre elles, mais aussi avec les habitants et avec les partenaires, eh bien, cette bibliothèque devient petit à petit non seulement le symbole de la culture comme outil de rénovation urbaine, mais aussi le symbole d'une évolution de la pensée de la rénovation urbaine des quartiers et de la considération véritablement de ce qu'il doit y avoir dans un quartier pour vivre en toute cohérence et en toute mixité. Merci Gaëtane. On retiendra probablement pour toujours l'innovation qui consiste à mettre des pavillons sur des barres d'immeubles. Ça, je crois que c'est marqué pour toujours. Édouard François, l'architecte à qui nous devons cette réussite, je me pose la question. Bon, nous avons donc écouté Gaëtane. C'est tout de suite Mario Di Liliano à qui je passe la parole, sans transition. C'est pas le bon diaporama. Donc ça sera plus statique que Gaëtane. Je reste assise, voilà, pour vous. Mais je reste en revanche en région parisienne. Et je commence par reparler du Grand Paris et par situer le campus Condorcet qui se trouve au nord ici sur le territoire de pleine commune et plus précisément sur la commune ici d'Aubervilliers. Donc qu'est-ce que c'est que ce campus Condorcet ? Voilà. C'est un campus qui a vocation à servir une communauté de recherche en sciences humaines et sociales. C'est une plateforme d'accueil et de services qui est équipée pour développer la recherche en sciences humaines et sociales au plus haut niveau et apporter à ceux qui pratiquent cette recherche les meilleures conditions possibles. Donc effectivement, on parle de Harvard, mais enfin, disons que c'est simplement l'ambition. Donc, vous voyez ici les chiffres. Hein, au départ, les établissements fondateurs étaient au nombre de 12. On avait 4 universités, on avait 3 écoles, l'Institut national d'études démographiques, le CNRS, la Fondation Maison des sciences de l'homme,
Au 1er janvier 2018, s'est ajouté à cet ensemble l'Université Paris-Nanterre. Donc quand je dis que ce sont les établissements membres, je ne dis pas que les universités, dans leur intégralité, vont s'installer à Aubervilliers. Simplement, dans ces établissements, une centaine d'unités de recherche qui appartiennent à ces établissements, soit dans leur intégralité, soit en tant qu'unité mixte, vont s'installer sur le campus et à travers la logique d'installation recoupe des logiques disciplinaires puisqu'on a 4 pôles disciplinaires que vous voyez ici, histoire, sciences des textes, territoire et sciences sociales. J'ajoute que on a en fait 2 projets effectivement qui se... Et là je ne vais vous parler que de celui d'Aubervilliers. On a un projet à Porte de la Chapelle qui, lui, ne concerne en fait que l'Université Paris 1, mais qui est porté du point de vue des moyens et du bâtiment par le campus Condorcet. Mais en fait, il s'agit d'un projet de Paris 1, et il y a bien dans ce projet une bibliothèque, c'est bien un campus universitaire dédié aux licences. Il y a bien une bibliothèque, mais ce projet de bibliothèque est porté par le service de commun de documentation de Paris 1. Donc moi, je vais vous parler de l'autre projet, toujours qui dépend toujours du campus Condorcet, le plus gros projet, donc celui d'Aubervilliers, qui lui recoupe, donc ce que je vous ai dit, les chercheurs et les apprentis chercheurs. Ce qui représente en fait, non pas 18 000 personnes, parce qu'il faut enlever les licences, mais 14 000 personnes, 4 000 étudiants en master, 4 200 enseignants-chercheurs, 4 800 étudiants, doctorants, pardon, et 900 personnes administratives. Ce territoire de... Pleine Commune Sud, le voilà. Donc Pleine Commune Sud, c'est à la fois Saint-Denis et Aubervilliers. Et plus précisément sur Pleine Commune Sud, non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Le campus, en fait, s'inscrit sur cette zone-là. Alors, à l'origine, il s'agissait de terres agricoles. Au XIXe siècle, ces terres agricoles ont été rachetées par des industriels et c'est une zone en fait qui était dédiée à l'industrie, notamment à l'industrie chimique, ce qui fait que les sols sont aujourd'hui pollués. Et il n'y a jamais eu véritablement d'habitation sur ce territoire. Il n'y avait que des usines en friche. Pleine Commune a souhaité depuis déjà longtemps réhabiliter ce territoire. Donc la réhabilitation a commencé par, on le voit ici, le Stade de France. Et puis elle s'est poursuivie au gré du temps depuis le Stade de France par l'installation d'entreprises et de logements. Ce territoire est donc maillé par des stations de métro, de RER, par des transports. Alors, à l'époque du Stade de France, on a ouvert cette station de RER La Plaine, Stade de France. Il y a quelques années, on a ouvert la place du Front Populaire, c'est le prolongement de la ligne 12. À terme, dans le cadre du Grand Paris, on prévoit de prolonger la ligne 12 jusqu'à la mairie d'Aubervilliers, ici. Et on prévoit d'étendre le tram T8 qui dessert actuellement Villetaneuse, Épinay-sur-Seine, et de le prolonger en fait vers le sud jusqu'à la station de RER Rosa Parks, de l'autre côté du périphérique. Donc le périphérique, vous le voyez ici, de l'autre côté du périphérique. De manière en fait à désenclaver ce territoire et à le relier plus fortement à Paris intramuros. Alors, je vous ai mis une petite photo de famille qui a été prise au moment, comme vous le voyez, de la pose de la première pierre le 23 avril dernier, pour vous indiquer quels sont les acteurs du projet. Donc vous avez l'État, bien évidemment, qui porte le projet en la personne de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédéric Vidal. Vous avez la région qui porte le projet, qui porte en fait 2 bâtiments sur l'ensemble du projet. Le bâtiment dédié à l'École des hautes études en sciences sociales et le grand équipement documentaire, précisément, qui est financé par la région.
Vous avez Patrick Braouzec, le président de Pleine Commune. Vous avez donc Anne Hidalgo, la maire de Paris, mais c'est plutôt pour la partie Porte de la Chapelle. Et vous avez la maire de Aubervilliers, Myriam Derkaoui. Je rajoute à ce tableau de famille le président de Vinci Construction France, ici Hugues Fourmentreau, pardon, puisque le campus en fait est construit, mis à part l'école des hautes études en sciences sociales et le grand équipement documentaire, le campus est construit en PPP. Partenariat public-privé. Alors, le rôle de Pleine Commune participe pleinement en fait au chantier du campus. D'une part parce que les réalisations en fait concernent directement les collectivités locales. Il y a des sujets de voirie, il y a des sujets de nom des rues, prolongement, création de rues, prolongement de rues. Donc il faut bâtir des rues. Il y a bien sûr la question des transports, il y a des questions aussi de qualité de vie. Et donc ce travail en fait se fait étroitement avec Pleine Commune. Il y a les projets que nous élaborons en termes de qualité de vie ont un impact et doivent avoir un impact direct sur le territoire. Donc, pour citer quelques exemples, il y a un projet Place du Front Populaire d'espace de reprographie qui est à destination évidemment dans cette immense communauté d'étudiants, mais qui doit pouvoir être utile aux riverains. Il y a également des discussions en cours avec la Poste pour installer, sinon un bureau de poste, du moins un point poste, peut-être dans le grand équipement documentaire, c'est en cours d'instruction. Et par ailleurs, le grand équipement documentaire doit abriter, j'y reviendrai, une librairie et un café. Café qui doit s'installer en relation avec les autres commerces, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire concurrence à des commerces qui sont déjà installés sur ce territoire. Alors, voilà une vue plus précise du campus. Donc, vous avez ici la place du Front Populaire. Vous avez une station de métro. En fait, la station Front Populaire sort sur la place ici. Ici, vous avez un bâtiment d'habitation qui a déjà été construit, qui existe déjà. Vous avez ici la Maison des Sciences de l'Homme qui abrite actuellement l'équipe projet du campus. Et puis vous avez donc ici le futur campus qui se dessine ici, qui va jusqu'ici. Alors avec ici un centre de colloque, ici des logements dédiés aux chercheurs invités, un jardin potager, deux bâtiments de recherche, un ici et un qui est caché par l'étiquette ici. Bâtiments de recherche donc, qui vont abriter plusieurs laboratoires de plusieurs établissements. Et comme je le disais, ici vous avez un bâtiment dédié pour l'École des hautes études en sciences sociales. Et ici vous avez un bâtiment dédié pour l'Institut national des études démographiques. Tout au bout ici, vous voyez une tour. Il s'agit en fait d'une tour pour les logements étudiants. En fait, à terme, il y en aura deux. Ici, on en voit une seule. Puisque, à la demande de Pleine Commune, au moment de la programmation du projet, le territoire a demandé la construction de logements étudiants. Alors, on voit ici, de manière, on a un survol ici du campus. Donc ici, vous avez la place du Front Populaire. Vous voyez donc le centre de colloque et la tour pour les logements étudiants qui se trouve ici. Le campus est traversé par, donc il est bordé ici et ici par des rues qui seront accessibles aux voitures. Vous aurez ici le fameux tram T8 qui va longer le campus. Donc ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est qu'en fait la prolongation du tram T8 permet aussi de relier les universités de Paris 13 Villetaneuse, Paris 8 Saint-Denis et le campus Condorcet. Et vous avez ici en rose un chemin qui traverse du nord au sud le campus, qui est une rue piétonne
qui est accessible évidemment aux chercheurs, puisque l'objectif c'est de relier les bâtiments de recherche entre eux, mais qui est aussi accessible aux riverains. Et au milieu de cet ensemble, vous avez ici un bâtiment que je n'ai pas montré tout à l'heure, qui est le grand équipement documentaire. Il est perçu, et c'est le terme qui est employé dans le programme du campus, il est conçu comme le cœur du campus, et la rue des Humanités le traverse littéralement, puisque je vais vous le montrer tout à l'heure, on a en fait une rue qui rentre à l'intérieur de la bibliothèque et qui ressort de l'autre côté. Alors, du point de vue, on voit aussi du point de vue de l'intégration urbaine, on voit qu'il est traversé par des rues, ici, ici. Et par ailleurs, on a un système de barrières, justement, c'est ce que les architectes veulent éviter, mais on a un système de fermeture possible du campus, mais qui se fait à certains endroits, pas sur la totalité, mais à certains endroits, à certains accès au bâtiment, qui se fait via des noues, c'est-à-dire des fossés qui permettent la récupération des eaux et qui vont dans lesquels seront plantés des résineux pour empêcher les passages inopinés. Alors, le grand équipement documentaire lui-même, c'est donc un équipement mutualisé, c'est-à-dire que c'est le rassemblement de plusieurs bibliothèques de laboratoire. C'est une bibliothèque laboratoire, c'est-à-dire c'est à prendre au sens premier, c'est-à-dire le laboratoire comme pour les sciences dures. Hein, on considère que la bibliothèque, c'est le laboratoire des chercheurs en sciences humaines et sociales. C'est aussi une plateforme de service pour les chercheurs, avec un accès aux collections très important, 80% libre accès, accessible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et une forte intégration du numérique. Là, je vous ai mis une carte des 51 bibliothèques qu'il faudra intégrer dans ce grand équipement documentaire, dans sa répartition actuelle, hein, telle qu'elles sont situées aujourd'hui dans Paris. Et voilà, j'en viens à l'offre de service, hein, de ce grand équipement documentaire. En réalité, il est prévu dès le programme du grand équipement documentaire. Donc, bien évidemment, le groupe naturel pour cette bibliothèque, ce sont les chercheurs, les enseignants-chercheurs et les étudiants avancés qui sont le public naturel de la bibliothèque. Mais le programme prévoit aussi une offre de service en direction des riverains. Et donc, nous avons utilisé la méthode des personas pour cerner ce périmètre. Et voilà ce qu'on en a tiré, c'est-à-dire que on a des publics à la fois riverains, anciens ouvriers, syndicalistes, mais aussi les personnels qui travaillent dans les entreprises riveraines, qui sont susceptibles de venir sur le campus. Par ailleurs, l'objectif aussi du programme, c'est de desservir, enfin de se rendre accessible aux enfants des écoles, aux lycéens, aux enseignants du primaire et du secondaire. Alors, ça donne un schéma directeur des services, voilà, qui, bien entendu, dans ses grandes orientations, est très, très, très majoritairement dédié aux chercheurs, à la recherche, mais qui, dans son orientation 3, comporte des éléments d'accès aux riverains, et ça passe par deux axes, un axe de médiation scientifique, où il s'agit en fait de communiquer largement sur les activités de la communauté de chercheurs présente sur le campus, d'offrir aux chercheurs eux-mêmes, au sein de la bibliothèque, des espaces de médiation vis-à-vis des riverains, bref, de donner à voir la recherche en sciences sociales en train de se faire aux riverains. L'autre axe important aussi vis-à-vis des riverains, c'est la politique d'animation culturelle et scientifique qui doit être mise en œuvre, qui, pour l'instant, évidemment, est très prospective, il reste beaucoup de choses à construire, mais il y a une ambition de partenariat avec le monde culturel et artistique, et également un partenariat avec le monde éducatif. Ce sont des choses qu'on a déjà commencé à faire en allant dans les collèges, notamment de Saint-Denis,
expliquer ce que c'est que ce projet de bibliothèque, qu'est-ce que c'est qu'être bibliothécaire dans ce projet de bibliothèque, qu'est-ce que c'est qu'être bibliothécaire tout court. Et puis, on a une exposition permanente abritée à la Maison des sciences de l'Homme, qui permet aussi d'accueillir des collégiens et de leur expliquer ce qu'est la recherche en sciences humaines et sociales et une bibliothèque au sein de cet ensemble. Alors j'en viens au projet architectural. Donc là, je vous ai mis quelques éléments de chiffrés. Donc je vous ai dit que c'était financé par la région Île-de-France. La maîtrise d'œuvre, c'est l'agence Elisabeth de Ports-en-Parts. Le calendrier, donc les travaux commencent maintenant. Et ils doivent se terminer en mai 2020 pour une ouverture prévue à ce stade en décembre 2020 ou janvier 2021. Voilà quelques esquisses pour terminer mon propos. Donc là, vous avez une vue des façades du grand équipement documentaire. Et donc, vous avez, en fait, ici, cette partie-là, donc on a ici un premier étage, un deuxième étage qui seront consacrés aux collections et qui relient les deux ailes. Au-dessus, vous avez une verrière et au rez-de-chaussée, c'est le forum, le fameux forum qui est traversé par ce cours des humanités, cette rue piétonne. On voit ici aussi les trams qui passent dans la rue. Vous avez voilà, une vue des toits. Alors, ce sont des toits végétalisés, mais pour l'ensemble en fait, du campus, ce sont des toits végétalisés. Et vous avez ici, vous avez une terrasse qui sera accessible aux lecteurs sur laquelle ils pourront s'installer pour travailler. Voilà une vue du forum. Donc, tout est en transparence, ce qui permet en fait aux promeneurs de voir l'activité à l'intérieur de la bibliothèque. Et vous avez ici donc, des hauteurs du rez-de-chaussée qui sont très importantes pour justement accentuer l'effet de transparence et l'effet de visibilité de l'activité à l'intérieur de la bibliothèque. Voilà, vous avez là le plan. Donc on voit bien la séparation entre donc, cette rue. Vous avez ici les fameux services dont je parlais, le café, la librairie. Vous avez ici des accès qui seront tout publics avec une salle d'actualité. Alors, actualité de la recherche, mais accessible au public. C'est là que se fera la médiation avec les chercheurs. Et puis ici, une salle d'accueil du premier cycle qui a été créée pour accueillir les résidents, notamment des logements étudiants, mais qui en fait sera ouverte à tous et donc pourra accueillir aussi des riverains. On a aussi un auditorium qui sera accessible à tous. Et là, de l'autre côté, vous avez le hall d'entrée de la bibliothèque, et là, vous aurez une barrière. On va le voir plus tard. Je vous le montrerai plus tard. Là, vous avez la salle d'études pour les étudiants et les riverains. Et là, vous avez la salle d'actualité. Et voilà la barrière, c'est-à-dire que là, vous rentrez dans le hall de la bibliothèque et vous avez cette grande banque d'accueil qui donne accès donc aux étages. Derrière, vous avez des ascenseurs et qui, là, par contre, constitue une barrière d'accès, c'est-à-dire qu'il faut être accrédité, ce qui ne veut pas dire que les riverains ne pourront pas être accrédités pour des recherches justifiées. Voilà, je voulais conclure avec juste une phrase qu'il faut que je retrouve qui est tirée du programme du campus, pas du grand équipement documentaire, mais du campus qui a été écrite en 2009 et qui dit ceci: le lien entre la science et la société ne se déploiera complètement que dans le décloisonnement architectural, urbanistique et social entre le campus et la ville qui l'entoure. Inscrire dans le quotidien de la ville autant que dans celui de la recherche le souci de la communication et de la diffusion de la culture scientifique devra être un objectif majeur du campus Condorcet. Merci Marie-Odile, parfaitement dans les temps. Alors, on le voit à travers ces deux perspectives, ces deux points de vue très différents, ces deux propositions très différentes, on se dessine déjà des choses très très proches. Diversification des publics résidents par un équipement qui relie des quartiers entre eux, dans le cas de Champigny présenté par Gaëtane. Diversification des publics en,
en faisant traverser les grands équipements, la grande bibliothèque du grand équipement documentaire par des rues où Juliette, Armand, mais aussi des chercheurs au travail pourront se croiser, et éventuellement à l'atelier de reprographie du Front Populaire, de la place du Front Populaire. Voyons ce que tout ceci inspire à Luigi, à qui je passe la parole, en lui demandant, hélas on a commencé un peu en retard, on ne pourra pas finir en retard pour ne pas perturber le reste des présentations, d'être lui aussi plus rapide que possible, au moins. Bon, merci Pascal, bonjour à toutes et à toutes, à tous. Donc, du livre à la ville, pourquoi ces livres, pourquoi ces volumes? Disons que ce travail et les travaux de recherche qu'il y a derrière part d'un constat qui est un constat, disons, plutôt paradoxal, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui de l'arrivée du numérique, de la sort du livre et des bibliothèques, avec parfois des tons qui sont dramatique pour certaines, plein d'espoir pour d'autres, mais en tout cas qui auront des conséquences importantes sur la bibliothèque. On ne sait pas qu'est-ce que vont devenir ces espaces, et en même temps aussi l'arrivée de ce qu'on appelle l'objet connecté, qui ont un peu changé notre façon de s'approprier, d'apprendre les lieux. Alors on a vu effectivement que la notion de mobilité des vies urbaines change, et surtout l'accès à l'information aujourd'hui est très différente, parce que ces objets, pour que, même s'ils sont très petits, parfois ils nous permettent d'avoir un accès très élargi à un certain nombre de choses. Et ça a effectivement changé notre manière de vivre la ville, de vivre dans la ville, et surtout parce qu'on a, comment dire, dissocié les actions, alors culturelles bien sûr, liées à l'information, à la communication, aux relations humaines, des espaces physiques et typologiques traditionnels. Et donc ça, bien sûr, ça, bon, pour des années, on en a débattu, qu'est-ce que les lieux publics vont devenir, etc. Pourtant, face à tout ça, les bibliothèques sont toujours très fréquentées. Alors, on y arrive, on a souvent du mal à trouver de la place. Et alors là, le questionnement que je me suis posé en tant qu'architecte, mais pourquoi cela arrive ? Et s'il y a une raison profonde pour que cela arrive, est-ce qu'on arrive à le comprendre pour qu'on puisse après expliquer s'il y a une nouvelle façon de concevoir les lieux, et donc effectivement quelles sont toutes les relations diverses par rapport à la notion de transmission de la culture qu'on pouvait avoir. Des espaces, alors je déroule quelques photos. Avant, ici on est à Paris, à la bibliothèque Yourcenar, là on est à Rousse, la nouvelle bibliothèque centrale de la ville, des espaces qui sont très fréquentés, mais qui sont fréquentés par des usagers que, avant tout, profitent des espaces en tant qu'espace public et non pas forcément des contenus culturels. Et cela veut dire effectivement qu'à l'intérieur de cet espace qui est la bibliothèque, qui a une tradition typologique très consolidée, et même en termes d'usage, des pratiques d'utilisation du lieu qui sont très consolidées, effectivement on fait autre chose. Et alors, bien sûr, on commence à entendre parler de troisième lieu, de forum, tout comme tout à l'heure, de third places, etc. Mais donc, qu'est-ce que c'est que ce nouvel espace? Moi, je pense que, et c'est là la raison du livre aussi, et d'où le titre, du livre à la ville, que ces nouveaux besoins et ces nouvelles pratiques qui relèvent de la vie urbaine, qui relèvent de la sociologie urbaine, disons qu'on dissocie la conception de la bibliothèque et surtout l'utilisation de la bibliothèque des supports de la lecture. Alors quand je dis ça, je suis peut-être un peu drastique, mais je ne veux pas dire que la lecture est sortie des murs de la bibliothèque. Je veux dire que l'évolution de l'espace de la bibliothèque ne dépend plus seulement de l'évolution du support de la lecture, et donc on sort de la question controversée du livre. Il peut devenir ce qu'il veut avec le digital, finalement c'est pas ça qui va changer les bibliothèques publiques, mais il se relie plutôt à l'évolution en tant qu'espace public, et donc à la manière dont on y inscrive les nouveaux rapports à la connaissance, la possibilité d'accéder à la connaissance dans un lieu qui devient protégé, dans un lieu qui devient un espace public. Et effectivement, en termes d'architecture, tout ça change,
parce que ça nous fait penser que, notamment, disons que toutes les fonctions traditionnelles que dans la tradition typologique on aurait pu associer à cet espace, deviennent tous des instruments qui visent un objectif qui est peut-être différent et qui change d'échelle, donc qui devient plus social que culturel et qui est plus urbain qu'architectural. Et alors, bon, dans le livre, vous trouverez toute une série d'exemples et d'études de cas. Ici, par exemple, on est à Montpellier. Vous verrez que dès qu'on commence à parler de la bibliothèque comme un établissement à l'échelle de la ville, les panoramas changent parce que déjà, on le met en relation, bien sûr, avec son réseau. Et alors, quels sont les rapports entre les différentes bibliothèques? On ne conçoit plus un bâtiment qui est un unicum à l'intérieur de la ville, mais un bâtiment qui a des relations avec d'autres bâtiments. Et surtout, cette mise en relation permet d'associer la bibliothèque aux autres espaces publics de la ville, qui peuvent être culturels ou pas, peut-être aussi d'autres typologies d'espaces. Et bien sûr, une analyse de ce type relève aussi d'un changement pour tout ce qui est, par exemple, notion de proximité et public de proximité, les calculs du bassin d'influence de la bibliothèque. Parce que bien sûr, dès qu'on met tout ça en relation avec les transports urbains, alors je pense par exemple, notamment dans la tradition, dans la littérature historique, on définit un équipement de proximité comme un équipement auquel on peut accéder avec une marche de 15 ou 20 minutes à pied. Ok. Mais si on prend un métro, on peut faire aussi 15-20 minutes, mais on fait 3, 4, 5, 6 fois les trajets en distance. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle proximité urbaine? Et comment est-ce qu'on conçoit un bâtiment vis-à-vis de cela? Parce que bien sûr, le public qu'on pourrait avoir, si on considère les bassins des usagers de proximité strictement géographiques, peut être totalement différent de celui qui va effectivement voir et fréquenter la bibliothèque. D'où après le service qui n'est pas forcément adapté. Bon, bien sûr, d'autres exemples, et comme mes collègues l'ont montré tout à l'heure, effectivement, et là, j'ai rejoint le titre de ce livre, du livre à la ville. Quand on parle de concevoir, de programmer une bibliothèque, on commence à discuter, alors, quelles sont les relations avec le reste de la ville. Vous avez vu, effectivement, tout à l'heure, il y avait des cartes qui sont parties de la macro-échelle territoriale. Le Grand Paris, effectivement. L'arrivée du Grand Paris pourrait amener de nouveaux publics à la bibliothèque qu'on n'avait pas imaginé avant sans avoir cet équipement de mobilité. Et bien sûr, ça amène toute une série de réflexions qui, entre autres, influencent donc l'architecture d'une manière très conséquente, en rapprochant la conception de l'espace de la bibliothèque à la conception plus générale des espaces publics. Alors, pour démontrer un peu tout ça, en fait, la recherche s'appuie sur un corpus de plus de 200 bibliothèques étudiées un peu partout, surtout en Europe, mais aussi avec des exemples nord-américains, et s'appuie en fait sur une différence de trois périodes. Trois périodes parce que ces trois périodes relèvent d'une différente stratégie de conception que, comme on verra dans les exemples qui vont suivre, rapproche toujours plus la conception de la bibliothèque à la conception de la ville. Alors, nous avons, dans les livres, vous trouverez, il y a différents paramètres qui sont pris en compte. Aujourd'hui, on va juste évoquer le premier, parce que c'est la conception fonctionnelle d'une bibliothèque. On a une période qui est plutôt avant 2000, où la bibliothèque était conçue selon une approche que moi j'appelle fonctionnaliste. C'est-à-dire que chaque espace et chaque document chaque espace était conçu en fonction de chaque usager ou catégorie d'usagers ou chaque document qui était contenu à son intérieur. En fait, certains espaces de nos bibliothèques prennent les noms de leurs usagers. On parle par exemple d'espace enfant, espace adulte, espace télé, etc. Donc, pour des années, on a fait une organisation plutôt pyramidale, très hiérarchisée entre les espaces de la bibliothèque. Et chaque espace était un monde d'un point de vue architectural et d'un point de vue du fonctionnement qui était, disons, isolé. Et tout ce qui était influence externe, venait après dans un monde à part. Non, on avait une salle qui était les cafés, on avait parfois des restos, etc. Donc, pourquoi? Parce qu'on était habitué à une vision de cet espace, de cette bibliothèque qui est très enracinée dans notre histoire, qui est très hiérarchisée. Et donc, tout ce qui vient de l'extérieur, on crée un petit espace, mais il ne faut pas que ça modifie un peu notre idée de bibliothèque.
Alors, la période suivante, effectivement, on voit apparaître ce que moi j'appelle bibliothèque à deux niveaux, c'est-à-dire qu'effectivement, on trouve deux typologies d'espace ou macro-zones fonctionnelles, c'est-à-dire une première zone qui reste liée à la tradition typologique, il y a les livres, les espaces de consultation, des tables, les gens qui peuvent étudier en groupe ou de manière isolée. Et après, il y a toute une série d'espaces qui maintenant commencent à avoir des caractéristiques architecturales bien précises qui s'ouvrent à la ville, et notamment tous ces espaces qui prennent le nom de forums, third place, etc., troisième lieu. Et enfin, la dernière période, celle où on va peut-être consacrer un peu plus de temps aujourd'hui, où on retrouve que l'ensemble de l'espace est conçu selon une stratégie non hiérarchique qui essaye de faire de cet espace un espace de mixité à la fois des usages, des documents, mais surtout des usagers. Parce que, en fait, tous les exemples, et même mes collègues ont évoqué, la bibliothèque devient la charnière de cette rénovation urbaine. Mais pourquoi cela est possible? Pourquoi une place peut devenir la charnière du développement d'un quartier ou du développement urbain? En fait, pour évoquer un concept de Françoise Chauet, l'idée, c'est de créer un espace de contact, c'est-à-dire l'idée est de créer un espace relationnel qui permet aux gens d'interagir. Et effectivement, parmi les lieux publics, alors je ne voudrais pas trop m'éloigner de la question, mais c'est vrai que dans les villes contemporaines, on assiste un peu à une perte d'espace public vraiment démocratique où on peut partager le temps autre chose avec nos concitoyens. Et effectivement, la bibliothèque reste un peu le seul espace, ou parmi les seuls espaces, qui ont encore cette capacité de créer des lieux non hiérarchiques où on n'y va pas forcément pour consommer quelque chose, où on n'est pas forcément lié aux règles des fameux centres commerciaux. Donc on y va et on accède à des espaces qui sont de plus en plus mieux, bon, en fonction de combien d'argent on peut potentiellement y apporter. Je vais être rapide sur tous ces sujets-là. Donc une première période qui voit une bibliothèque sur la tradition, surtout des modèles allemands de la bibliothèque à trois niveaux, la Dreigestaltbibliothek, qui se voit construite autour de trois macro-zones fonctionnelles, où en fait, même quand on parlait, ici on est à Montpellier, bien sûr après à l'intérieur de toutes ces zones, il y a toute la déclinaison hiérarchique et pyramidale des différents espaces, mais où on voit que même quand on évoque un espace open space, donc cette fameuse question de la flexibilité, finalement il s'agit d'espaces qui sont faussement open space, parce qu'avec un mobilier qui est très lourd, finalement on recrée ce qu'on avait avant avec les cloisons. Et donc on retrouve cette organisation qui est très hiérarchique, quand même très divisée. Et bien sûr, après nous on est architecte, donc je m'y mets là-dedans. On aime bien décliner parfois d'un point de vue conceptuel les choses, et on voit effectivement que cette idée de la bibliothèque tripartite se retrouve aussi, surtout dans certaines façades, donc un rez-de-chaussée très ouvert, parce que c'est là qu'on met toutes les expérimentations contemporaines, donc les forums par exemple, et un premier étage qui est lié à la consultation, et donc qui est ouvert mais pas trop, et un dernier étage ou une dernière bande qui est la bibliothèque traditionnelle, qui reste plus fermée, il y a les bureaux, donc qui est le lieu où le public n'accède pas forcément. Et bien on avance, donc on arrive à la seconde catégorie. Effectivement, cette bibliothèque qui s'est construite autour de deux macro-zones fonctionnelles, et effectivement, nous en architecture on décline à appeler ça un espace et un morphologie du bâtiment. Et donc, pour arriver effectivement à la question de départ, c'est-à-dire, bon, ok, on a un paradoxe, mais qu'est-ce que c'est que cette bibliothèque non hiérarchique? Finalement, il y a deux choses à retenir. C'est-à-dire que d'un côté, on passe d'une logique séquentielle où chaque espace est hiérarchisé et lié à une programmation qui est très stricte, à un espace non hiérarchique, en fait, où toutes les zones de la bibliothèque sont, alors dans mon travail je les appelle îles de contenu, c'est-à-dire sont comme des îles, mais qui en fait constituent des mondes à l'intérieur d'un espace commun. Et alors on retrouve la transposition de la notion d'espace public à l'intérieur de l'espace de la bibliothèque.
quand vous êtes dans une place, vous pouvez vous, vous rassembler à 3, à 4, à 10, à 5, vous pouvez créer des groupes, vous créez vos zones, vos espaces qui sont personnalisés et qui le sont en fonction de l'usage que vous en faites. Et donc, effectivement, on est à Amsterdam, c'est un des premiers exemples de cette organisation par île qu'on pourrait retrouver, mais qui après, on le verra, ça a été décliné un peu partout en Europe. L'idée, c'est en fait, c'est pas trop distante de celle des réseaux sociaux. Finalement, quand on est sur Facebook, on peut accéder potentiellement, on peut être en contact avec tout le monde. Il y a quelqu'un qui dit qu'avec cette personne, non, avec sept contacts, on peut rejoindre qui on veut dans le monde, bref. Mais effectivement, après, on crée nos îles restreintes de contacts parce qu'on peut accepter l'amitié à quelqu'un, on peut la refuser, créer des groupes, etc. Donc, l'idée, finalement, de la ville et de la nouvelle société digitale, elle est rentrée un peu dans l'espace de la bibliothèque. Cela fait que nos espaces, ici on est en France, à Colomiers, en fait, la plupart des fois, la bibliothèque devient vraiment un espace, disons, où plusieurs choses peuvent se passer. J'aime bien cette photo parce qu'en fait, autour de cet espace central, la bibliothèque de Colomiers a aussi le musée d'art contemporain à l'intérieur, un espace des ateliers pour des formations, etc. Ce qui est bien, c'est que cet espace est à la fois de la bibliothèque, du musée, des ateliers. C'est un espace qui est de tout le monde et qui finalement n'appartient à aucune de ces catégories à la fois. Donc on peut y faire une exposition, lire une revue, étudier entre étudiants. Et en fait, même si l'architecture n'est pas forcément la même et n'est pas faite de la même manière, c'est ce qui effectivement se passe tous les jours à l'intérieur de nos bibliothèques. Là, on est encore à Paris. Ici, on est à la petite bibliothèque Louise Michel du 20e arrondissement de Paris. Donc, et l'idée, c'est cette mixité qui est à la fois documentaire, mais qui est aussi, liée aux usagers, des gens qui ont des intérêts et des usages différents, certains qui jouent, qui crient, qui font du bruit, d'autres qui lisent, peuvent une bibliothèque traditionnelle ou des espaces enfants qui sont à l'intérieur du même espace des adultes, notamment par exemple. Et on reste en France, au Laurent de Sainte-Marie. L'idée donc de cet espace ouvert, et finalement on verra que même la question de l'open space, les mobiliers se baissent, l'idée de pouvoir garantir une vue libre sur tout le plateau permet effectivement de jouer avec cette notion de l'ouverture et de ne pas compartimenter l'espace. Ou encore, on reste... Et ce qui est bizarre, parce que là, on est à Aarhus, c'est que toutes ces bibliothèques ont des dimensions qui sont vraiment différentes. Parce que, par exemple, à Aarhus, on est sur une bibliothèque d'environ 17 000 mètres carrés, alors qu'à Louise Michel, je reviens un peu en arrière, on est sur environ 400. Ça veut dire quoi? Que si avant, dans une idée fonctionnaliste, un bâtiment de 10 000 mètres carrés fonctionnait vraiment de manière différente par rapport à un bâtiment de 500, l'idée aujourd'hui est toujours la même, c'est-à-dire que si vous prenez un morceau de la bibliothèque de Aarhus qui fait 17 000 mètres carrés, effectivement, ça pourrait être une bibliothèque, une petite bibliothèque de proximité d'une banlieue d'une ville. Des usages qui sont différents, et bien sûr, après, la notion de rapport avec la ville dans les pays du nord de l'Europe est un peu différente parce qu'on y associe aussi toute une série de services aux citoyens et qui font aussi que, de l'ordre de la rénovation urbaine du quartier, on pourrait se dire que la bibliothèque est aussi le lieu qui est un peu le catalyseur de tous les services aux citoyens. Et à ce moment-là, toute une série de publics, de catégories de publics qui n'allaient pas forcément en bibliothèque avant, peuvent y aller parce qu'ils ont un besoin divers. Alors là, par exemple, il y avait de l'aide, notamment dans la tradition anglo-saxonne, pour faire des documents ou pour accéder aux aides sociaux, pour avoir une consulence légale, etc. Mais ces gens-là, après, ils restent à la bibliothèque, et souvent. Donc c'est une manière en plus de liaisonner ces deux échelles. Et ce qui est étonnant dans ces typologies d'espace, c'est qu'effectivement on peut avoir à côté des enfants qui jouent ou des étudiants qui sont en train d'étudier ou de se voir, de se rencontrer, des cafétérias qui sont des vrais restaurants avec des gens qui mangent, mais aussi des gens qui étudient et qui prennent les livres de la bibliothèque. Donc,
Ou encore, cet espace, mais là on est dans une échelle un peu plus importante, qui se modifie en fonction des usagers qui l'utilisent. Là derrière, on a des adultes, des enfants qui se préparent, parce qu'en fait, quelques heures après, il y avait un petit spectacle avec... bon, ils jouaient un peu de musique en faisant du bruit, mais l'idée, c'est que ça arrivait à l'intérieur de l'espace de la bibliothèque à proprement parler. C'est pas dans l'auditorium qu'ils ont fait ça. Et ça gênait pas aux autres. Bon, ils faisaient un peu de bruit quand même, mais ça gênait pas. Et on peut comprendre, alors, quand on arrive à créer un espace de ce type, un espace, disons, de relationnel, un espace de contact, la bibliothèque a toutes la, comment dire, les espérances de pouvoir devenir ce lieu charnière à l'intérieur du développement de la ville. Ce n'est pas parce qu'on construit une bibliothèque qu'on a renouvelé un quartier, on est bien d'accord. Il faut que la bibliothèque accompagne ces renouvellements en créant notamment des espaces publics. Là, par exemple, on revient à la question de la mobilité, il y a une ligne de tramway qui a été créée, donc avec un arrêt qui s'appelle, avec le nom de la bibliothèque, une station de bike car sharing qui démarre de la bibliothèque. Donc on rentre dans une logique de mobilité urbaine dont la bibliothèque devient un des points de développement. Et alors on peut comprendre justement tout ce qu'on disait avant. L'Atrium, le forum urbain, et ici on est à Le Havre, même quand il s'agit de renouveler un bâtiment existant, l'idée est toujours la même, c'est-à-dire de créer des différents moments de convivialité qui peuvent se modifier en fonction des usagers qui participent. Et bien sûr, même quand on a un programme qui est parfois contraignant, comme ici à Caen par exemple, où on dit que dans le concours, le programme était divisé en quatre pôles très, très différents. Alors, au moins, comme Clément Blanchet, architecte de l'opération, me racontait, qui était conçu comme quatre bibliothèques plutôt séparées. Et alors, eh bien, dans ce type d'opération, encore, on peut comprendre comme les architectes se disent, bon, on fait de l'espace central un espace où tous ces différents pôles, donc caractérisés par des documents et des usages, peuvent cohabiter ensemble. Et donc, à la fois, comment dire, c'est chevauché, c'est superposé, c'est juxtaposé. Et ça, quand on dit ça, on dit pratique d'utilisation, on dit mode de fonctionnement, bruit, pas bruit, étudiant... Ou encore, dans le cas des renouvellements urbains qui affectent des quartiers industriels, ici on est à Brest par exemple, on voit que l'idée est toujours la même, c'est-à-dire un espace qui s'appuie, qui s'ancre sur des gestes architecturaux qui sont plutôt importantes, alors ici c'est à l'échelle du mobilier, mais qui finalement crée juste, permettent de créer des situations qui sont parfois différentes, mais qui relèvent tous de l'espace public. Alors, je pense qu'on a été coordonnés, synchronisés, parce qu'au moment que vous m'avez dit stop, je suis arrivé à la fin. Si on s'était mis d'accord, on n'aurait pas pu le faire. Voilà, donc ça pour vous dire, Dieu livre à la ville. Donc. Merci beaucoup, Luigi. En effet, une coordination, une synchronisation presque parfaite. Alors, pour peut-être revenir sur l'ensemble de ton propos, là, on est finalement entré dans les établissements, dans la bibliothèque, et j'ai l'impression, et je risque une formule, on dirait si elle est acceptable ou pas, que finalement, Louise Michel, 400 mètres carrés à Paris, ou Arus, 14 000 mètres carrés, finalement, petite ou grande, la bibliothèque devient une ville en réduction, mais, je risque la formule, pour une vie non réduite. Enfin, ce serait une manière de concevoir ou de résumer ou synthétiser de façon audacieuse, excusez-moi, vous me le passerez, la bibliothèque devenant un espace public au sein de la ville. Alors, c'est mon premier congrès ABF, mais si j'ai bien compris, la salle est toujours très très désireuse de poser des questions. On a mangé un peu ce temps au cours de l'exposé, on a démarré un peu en retard. On s'autorisera quelques débordements, mais probablement limités. Donc, si vous le souhaitez, c'est le moment... Et on m'a dit qu'à l'ABF, même la première question partait tout de suite. Donc merci. J'avais juste une petite question pour Champigny. Laurence Kamkam, je suis responsable pédagogique dans un centre de formation à Médiat Lyon. Et j'avais une question pour Champigny et pour Condorcet.
par rapport aux horaires d'ouverture. Est-ce que vous pouvez répondre le lien entre espace, rénovation urbaine et éventuellement type d'horaire d'ouverture ? Alors, je ne vais pas pouvoir vous répondre énormément puisque on prévoit bien évidemment une grande discussion sur les horaires d'ouverture. Pour la bibliothèque Haut de Champigny, l'objectif c'est de coller aux différentes habitudes qui ne sont pas du tout les mêmes que vous habitiez Queilly, où vous avez une vie familiale, une vie religieuse aussi et une vie culturelle en dehors de Champigny. Et les bibliothèques qui desservent actuellement plutôt les zones urbaines sensibles, on se rend compte qu'on a affaire à des enfants non accompagnés, à des étudiants qui ne peuvent pas travailler chez eux parce qu'il y a trop de monde à la maison. Donc on n'a pas du tout les mêmes usages. Donc on va utiliser la technique des personas pour essayer de se rendre compte de quels sont les usages et de comment du coup on doit ouvrir la bibliothèque. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire exactement où est-ce qu'on en est. Pour la bibliothèque du centre-ville, qui est, elle, juste à l'étude des besoins, ce qui est certain, c'est que comme on veut ouvrir le centre-ville au bord de Marne et qu'il y a surtout une activité le week-end et le dimanche, la question du dimanche est déjà sur la table. Alors maintenant, ce que ça va donner, je ne peux pas vous le dire. Puisqu'on fait ça en collaboration avec les équipes, les habitants et les partenaires, c'est en discussion. Voilà. Alors pour la bibliothèque, pour le grand équipement documentaire, quand on affiche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il s'agit en fait de la partie sous-douane, comme on dit, c'est-à-dire la partie accessible aux chercheurs, que je n'ai pas pu vous montrer, j'aurais dû vous montrer, mais je n'avais pas suffisamment de temps. Donc les étages, en fait, où là, tout est fait pour que les chercheurs soient en autonomie. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure, en fait, il n'y aura plus de bibliothécaires. Les chercheurs seront seuls dans la bibliothèque. Donc il y a toute une réflexion de casier intelligent, de services numériques, de réservation, qui permettra aux chercheurs de travailler dans cette bibliothèque. Ceci dit, il y a un vrai sujet autour de l'ouverture de ce campus et de ces horaires d'ouverture. Je parle bien là du campus et pas du grand équipement documentaire. C'est-à-dire que ça reste quand même à instruire. On est à quasiment un an de l'ouverture du campus, hein, puisque les bâtiments en PPP vont être, eux, ouverts en septembre 2019, contrairement à la bibliothèque qui sera ouverte dans ses murs en janvier 2021. Et on sait qu'il y a un sujet qui, pour l'instant, n'est pas tranché sur comment on laisse accessible le campus, d'abord aux chercheurs eux-mêmes, parce que les chercheurs ont des pratiques un peu... Voilà, c'est pas des horaires de bureau, en tout cas. Et certains aimeraient bien avoir accès, justement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à leur bureau, par exemple, ce qui ne sera pas le cas. C'est-à-dire que, notamment, le dimanche, ils n'auront pas accès. Donc, entre l'intention affichée au départ dans le programme et ce qui commence à devenir la réalité, en fait, on a un gap. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on va voir à l'usage. Donc, ce qu'on redoute, c'est effectivement le campus désert à partir de 19h. On va tout faire pour que ça ne soit pas le cas. Mais il y a quand même une petite inconnue autour de ça. Ça reste un vrai sujet et un sujet de préoccupation. Bonjour, Rachel Guesmi, Université de Bordeaux. J'aimerais savoir comment on fait quand on est bibliothécaire pour vendre l'intérêt de la construction ou du réaménagement d'une bibliothèque au pouvoir public. Je peux commencer par répondre. Pour le campus Condorcet, en fait, c'est une demande... Il y a eu la conjonction de deux
de deux projets. Il y a eu une demande à l'origine de l'école pratique des hautes études et de l'école des hautes études en sciences sociales, qui avait de réels problèmes dans Paris intramuros. Il y a un vrai problème parisien de prix au mètre carré qui rend la situation vraiment intenable. Il faut voir dans quelle situation se trouvent les bibliothèques des établissements aujourd'hui. Et donc, eux ont fait de leur côté, faisaient déjà depuis longtemps de leur côté des demandes à l'État pour avoir de nouveaux bâtiments. Ça, c'était la première demande. Et de l'autre côté est arrivée la demande de pleine commune d'aménager son territoire, et s'est ajouté à ça le projet du Grand Paris. Et donc, c'est la conjonction des deux qui a permis en fait l'émergence de ce projet. Non, je me permets de répondre, mais je ne suis pas bibliothécaire, non, je parle en tant que pauvre architecte, mais surtout usager. Et il y a quand même un aspect, une nuance, je pense qu'aujourd'hui on a, et ça vaut pour les bibliothèques, mais ça vaut pour tous les espaces publics, c'est-à-dire la notion de lieu nécessaire. Parfois, quand on propose un lieu, alors après je ne rentre pas dans l'administratif de comment on fait pour, mais c'est souvent que les dernières années ont été caractérisées par beaucoup de constructions qui étaient déjà obsolètes avant même d'ouvrir ses portes aux usagers, ce qui fait que le public, qui après aujourd'hui on est là dans une société des médias, disons, de l'information mais surtout de l'image, donc on est jugé aussi sur nos résultats, même si c'est culturel, c'est pas forcément, et les gens ne viennent pas ou viennent pour d'autres choses, n'utilisent pas comme on l'avait programmé nos lieux. Cela fait que dans l'esprit des administrateurs, je généralise, mais sans vouloir, on a l'impression que bon, la bibliothèque, c'est un espace qui peut être secondaire. Surtout pourquoi ? Parce qu'ils se rendent compte que pas mal de promoteurs privés financent la construction de lieux qui répondent paradoxalement mieux aux besoins de certains espaces dans la ville. Et donc, la crise économique, le manque de budget, etc., fait après que les administrations disent bon, ok, bah, je préfère laisser faire un centre commercial. De toute manière, il y a un grand espace, il y a un grand forum au centre, les gens peuvent se trouver là-bas, je mets quelques livres peut-être ou pas, mais surtout je fais de l'argent, et pas un équipement public comme celui de la bibliothèque. Donc à la base, je pense qu'il y a cette notion de lieu nécessaire que, à force, je pense, je sais pas la cause, mais je pense que parfois on s'éloigne un peu de cette notion vis-à-vis des citoyens auxquels on veut après offrir un service. Et c'est là après peut-être à causer certaines, et d'où peut-être votre questionnement. Alors, à Champigny, on a tout simplement travaillé sur les valeurs, et notamment les valeurs politiques. C'est-à-dire qu'on est allé voir les politiques, on a fait un plaidoyer pour la bibliothèque. Il y a une commission advoquée ici, à l'ABF d'ailleurs. Et on est allé leur expliquer ce que la bibliothèque permet, enfin, ce qui dans leurs valeurs politiques pouvait se trouver dans la bibliothèque. Donc vous avez des valeurs de culture populaire, de démocratie. La bibliothèque, c'est le lieu du vivre ensemble, c'est le lieu où on peut devenir citoyen, c'est le lieu où on peut devenir autonome, c'est le lieu où on est plus libre. Et donc on a fait converger le discours politique et est-ce que la bibliothèque pouvait mettre en avant dans ce discours politique. Après, le contexte a aussi été pour nous, parce que la ville de Champigny s'est battue pendant de nombreuses années pour obtenir ce fameux Grand Paris Express. Et on a mis en avant que le Grand Paris Express était était un moyen de développement territorial, ce dont avait vraiment besoin Champigny. Mais que le métro, on peut le prendre pour venir à Champigny, on peut aussi le prendre pour s'en aller de Champigny. Et que s'il n'y avait pas des lieux publics de qualité, eh bien, toutes ces populations, ces SP+, qui vont arriver, et qui vont arriver de Paris, puisqu'on sait très bien que ce sont les Parisiens qui vont venir chercher un peu de verdure et un peu d'espace, eh bien, ils utiliseront le métro ou leur voiture pour quitter Champigny, pour continuer leur vie de loisirs et leur vie culturelle en dehors de Champigny, et qu'il était donc nécessaire que la ville propose des services publics de qualité.
et que comme les bibliothèques aujourd'hui sont des lieux de convergence de tout type de culture et de tout type de pratiques, créer une bibliothèque, ça permettait de faire la synthèse entre plusieurs équipements publics. Et que donc, ils avaient tout intérêt à créer plutôt une bibliothèque qu'autre chose. Donc, il y avait une petite concurrence avec d'autres services, peut-être. Et la troisième chose, c'est que parfois, il faut savoir faire confiance aux usagers ou aux futurs usagers ou aux administrés, comme les appellent les politiques. Parce que dans le cas de la bibliothèque centre-ville, ça a été magique. C'est eux qui l'ont demandé. Donc là-dessus, bien évidemment, on a construit le projet O de Champigny en disant qu'il y avait un problème sur le bas de Champigny et qu'il faudrait un autre équipement plus adéquat. Mais là, pour le coup, c'est grâce au PLU participatif que tout s'est fait. Donc il faut aussi utiliser les usagers pour convaincre ces élus de l'utilité de construire des nouveaux établissements. Pourrions peut-être prendre une dernière question, si elle se présente. Bien, alors dans ce cas, il me revient de conclure, mais ce ne sera pas une conclusion. Je reprendrai plutôt la balle au bon là, de Luigi, qui nous disait qu'au fond, nous devions regarder les bibliothèques comme des lieux nécessaires, des lieux multi-usages, y compris... et à l'aveugle, qui permettent les détournements de tous les usages prévus à l'avance, et que c'est probablement une des conditions de ces bibliothèques comme un espace de vie. Et pour continuer finalement sur cette thématique, poursuivre dans les autres conférences ou tables rondes, de quelle manière les bibliothèques peuvent être une boîte à outils multi-usages. Je vous remercie beaucoup de votre participation, merci de votre attention également, et je vous souhaite un bon congrès.